Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et on va parler de quoi? Alors déjà, regardez les petits boosters qui rentrent dans ma collection. Alors si tu me suis au travers de mes shorts, parce que je publie aussi régulièrement des shorts sur mes vidéos, enfin sur la chaîne YouTube. Hein. Je pense que tu l'auras déjà vu, mais je crois qu'il n'y a pas de notification hein, sur les shorts, enfin j'en sais rien, mais je pense qu'il n'y a pas de notification. Mais donc du coup, voilà, je te ferai peut-être une autre vidéo de l'orientation qu'on va prendre sur ma collection en scellé. Et puis franchement, quand tu vois ces petits boosters, je fais une parenthèse, hein, ça va pas durer très longtemps. Je sais que beaucoup n'apprécient pas spécialement l'Orcana. Moi, je trouve ça très sympa. Et quand tu aimes aussi la collection en scellé, il y a l'esthétique du produit. Et franchement, des petits boosters individuels comme ça, je trouve ça pour le coup très réussi. N'empêche que j'aime beaucoup aussi Pokémon. Je crois que j'ai un petit booster individuel qui traîne ici, voilà. Qui est du voltage éclatant, du Evo Céleste, pardon. Mais franchement, l'esthétique comme ça, je pense que c'est à travailler. Si Pokémon nous pond des boosters comme ça, carton, avec une illustration spécifique, par exemple, bah, tu as Nymphalie, mais un Nymphalie en grand comme ça avec Pokémon, ça serait une dinguerie. Comme quoi, hein, il n'y a pas que du mauvais chez l'Orcana. Je suis d'accord, on en parlera peut-être sur une prochaine vidéo. L'Orcana, mais c'est un potentiel de dingue, parce que justement, on est tellement en deçà sur l'esthétique de la carte, sur non pas le design, l'artwork, on va dire, de la carte, parce que ça encore, c'est une question de goût. Moi, j'aime bien les personnages de Disney, je trouve qu'il y en a des très très sympas, mais c'est surtout, on va dire, la qualité de la carte en elle-même, la texturation, la non-texturation, le foil, et ainsi de suite. Alors, on va parler évidemment, de Pokémon. Et oui, surtout qu'au mois d'août, on sait, on va avoir la nouvelle série. Donc, on a vu Mascarade Crépusculaire, EV6, qui n'a pas déchaîné les passions, mais on était sur un Dawn entre Fight Paradox, puis Force Temporelle, que je trouve très sympa. Attention, Force Temporelle et Fight Paradox d'ailleurs. Et j'ai envie de dire, Écarlate et Violet, moi j'aime bien, et on verra avec le temps comment tout ça va évoluer. Certains m'ont déjà teasé que EV7, ça n'a pas l'air foufou. Mais 6.5, moi, je suis plutôt assez satisfait. On commence à avoir énormément de cartes par le biais de la série en japonais, hein, qui vont certainement être utilisées sur faille nébuleuse, donc EV6.5. Déjà, d'un point de vue scellé, hein, je te l'ai dit souvent au travers de mes vidéos, je suis plutôt convaincu parce que, et ça faisait un petit moment qu'on attendait, on a vu des cartes premium en promotion. En règle générale, les coffrets n'apportent pas grand-chose. Parce que les cartes qui sont proposées en promotion, enfin les cartes promo, quoi, hein, pas en promotion, mais les cartes promo proposées, sont pas exceptionnelles. Là, ils annoncent du lourd, hein, tu le sais, Amphinobi SAR, Hipporo SAR, et tu as même le petit Scalpereur ou Scalpora, enfin bref, en AR. Bon, AR, c'est pas la carte la plus folle, mais ça reste toujours plus intéressant en règle générale, même qu'une full art. Donc ça, c'est plutôt cool. Et maintenant, on a les cartes qui vont arriver. Alors, comme d'habitude, moi, je ne suis pas spécialement déçu. Autant sur Mascarade Crépusculaire, on peut être déçu uniquement, je dirais, sur les SAR Pokémon. Voilà. Surtout la quantité assez impressionnante de SAR Pokémon Masque, qui, bah oui, c'est vrai que ce n'est pas la carte la plus dingo. Petite parenthèse sur Mascarade Crépusculaire, j'ai été checké assez rapidement, je t'avoue, parce que j'ai pas encore mon internet, mais ça arrive. Là, normalement, dans les jours à venir, voire au pire des cas, la semaine, début de semaine prochaine, j'aurai mon internet au débit. Hein, c'est pas la fibre, mais c'est juste en dessous, hein, le VDSL, je crois, quelque chose comme ça. Donc ça va marcher très très bien, et du coup, je pourrai être connecté en permanence et suivre les prix. Et on fera évidemment, comme d'habitude, un petit tableur sur Mascarade Crépusculaire. Mais petite parenthèse, Amphinobi semble être aux alentours de 200 euros, ce qui est pas mal, hein, pour une carte là. Mais les SAR, faut pas tellement miser, parce que quand tu vois l'espérance, c'est-à-dire que mathématique, si tu vois le prix de la SAR à contrebalancer avec la probabilité de la faire tomber, au final, ça apporte pas grand-chose. Ce qui est intéressant, ce sont plutôt les AR. C'est ça. Souvent, on parle de, entre guillemets, de rentabilité ou alors de minimiser les pertes. Et on parle que du taux de drop. Mais c'est une erreur puisqu'il faudrait se concentrer face aux cartes qui apportent significativement parlant quelque chose dans ton ouverture. Et on va aller évidemment sur les SAR, mais pas que sur les AR. Et là, tu as une AR à plus de 40 ou 50 euros qui est l'Evoli.
Et ça pèse beaucoup puisque les AR ont tendance quand même à tomber plus régulièrement que les foulards. Donc c'est pas si mal. Mais on fera évidemment l'espérance mathématique. Je crois de mémoire, ça fait un petit moment que j'ai déconnecté. L'espérance la plus mauvaise que l'on avait eue, c'était sur EV3. Il ne faut pas encore une fois se focaliser sur uniquement les dracs au feu, puisque c'est une moyenne l'espérance quand tu vas ouvrir des boosters. C'est une moyenne que tu vas avoir. Donc il faut voir tout ça. C'est pour ça que Fight Paradox, Force Temporelle sont des séries pas si mauvaises que ça au final. Donc on va revenir sur Fable Nébuleuse. Donc déjà de point de vue en scellé, je l'ai déjà dit, c'est pas une série inintéressante parce qu'elle propose beaucoup de choses. Après les AR, là aussi je trouve que c'est plutôt sympa. Les Démolos est incroyable. Les AR font le job. Alors est-ce que c'est vrai qu'on pourrait se poser cette question, est-ce qu'on aura des AR à plus de 20 ou 30 euros? Alors ça, j'ai du mal à répondre à cette question, sauf sur des AR un peu évidentes. On avait déjà vu le Tyranocif, le Raichu, le Magikarp, ça ce sont des AR plus évidentes. On avait vu aussi hier avec Mascarade Crépusculaire, le Evoli. On pourrait imaginer que cette AR sorte du lot. Là, les AR sont plutôt très très sympas. Est-ce que certaines en sortent du lot? Alors moi personnellement, certaines sortent du lot. Hein. Par exemple, je trouve que Persian est exceptionnel. Voilà. Mais je ne pense pas que la popularité de Persian soit très très bonne. D'ailleurs, on en a une petite preuve puisque, rappelle-toi, Persian de Giovanni, hein, le charisme de Giovanni sur 151, au final, la SAR s'est changée aux alentours d'une vingtaine d'euros, ce qui est pas très très cher au final. Donc Persian ne semble pas apporter quelque chose. Pourtant, je trouve la carte, en tous les cas, en SAR 251 et en AR sur la future série, exceptionnellement belle. Et c'est ça qui fait plaisir, puisque au fond, t'as une carte dont la probabilité de looter est conséquente. On est sur un format qui loot, hein, 10%. Alors, c'est une AR random, mais 10% tout de même. Et au final, t'as de très belles cartes. On pourrait rajouter, franchement, Chelours, je le trouve vraiment pas top. Mais là, en AR, je trouve que ça claque. Non, franchement, la série semble être pas si mal du tout. Alors, est-ce qu'il y aura d'autres cartes? Est-ce que c'est une demi-série qu'on a vue? Est-ce qu'après, ça sera, il faudra avoir l'autre version, en version japonaise? Franchement, j'en sais rien. Les foulards sont pas si mal. On a un Hyporoi qui est vraiment, vraiment magnifique. On aura à tous les coups peut-être un Amphinobi aussi, parce que Hyporoi, rappelle-toi, elle est sortie de la SAR. Parce que imagine-toi, ils ont préféré, c'est un parti pris, de nous mettre deux superbes SAR en dehors de la série sous format carte promotionnelle. Donc au final, certains sont déçus parce qu'ils se diront s'ils avaient mis ces deux cartes-là, ça aurait fait up la série du point de vue ouverture. Mais là, ils ont fait ce parti pris-là. C'est pas inintéressant. C'est ce qu'ils avaient fait aussi avec les évolutions qu'ils avaient sorties de Eevee et Rose et qu'on n'avait pas eu du coup, nous, dans Evo Céleste. Moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que, encore une fois, on parle souvent des SAR, mais ça concerne beaucoup moins de personnes, les SAR, puisqu'il faut ouvrir beaucoup de boosters pour faire tomber une SAR. On est plus concerné si on fait de l'ouverture, on va dire un petit peu comme moi, 20, 30, 40 boosters. On est beaucoup, beaucoup plus concerné sur les AR et au final, on préfère avoir des AR intéressantes et des SAR plus intéressantes sous format promo, contrairement à des formats classiques qui sont très très compliqués à faire tomber. Donc au final, je trouve que ce parti pris est pas si mal et il flattera plus facilement ceux qui n'ont pas un budget illimité mais qui se concentreront sur un ou deux items ou un ou deux coffrets. Comme ça te permet d'avoir à tous les coups deux SAR dans ta collection. Et moi j'aime bien. Après évidemment, il y a je crois que ce sont les prodiges, les nouveaux Pokémon hein, du jeu qui ont été mis à l'honneur aussi dans cette série-là. Évidemment. Nous, à tous les coups, d'ailleurs, petite parenthèse, je pense qu'on les aura en AR, puisque sur Mascarade Crépusculaire, on ne les avait pas eus, rappelle-toi. Donc, je pense qu'au final, on aura une partie de la série précédente en version japonaise, hein, tout simplement. Là, ce qui pêche, et on s'en doutait un petit peu, ce sont les SAR. Alors déjà, est-ce qu'il n'y aura que, j'ai envie de dire, que 4 SAR? C'est pas impossible. Puisque, comme je t'ai dit, ils ont sorti, un petit peu comme ils avaient fait avec 151, la carte Mew, qu'ils avaient sorti de la série. Ils ont sorti deux SAR de la série. Alors, c'est vrai que j'avais oublié qu'il fallait pas remonter si longtemps que ça. Le coffret l'Ultra Premium a fait ça, c'est vrai. Et aussi pour le coffret Dracaufeu, mais donc dans des coffrets plus random et dont les quantités sont très importantes. Ça faisait un petit moment. Alors, les SAR, oui, bon, elles sont pas, elles claquent pas. Hein, ça, c'est certain.
Surtout, alors je me souviens plus comment il s'appelle ce Pokémon. J'ai envie de dire l'ours, c'est pas les trois, on va dire, sont pas si mal. Et puis il y a un espèce de truc bizarre avec des espèces de chaînes comme ça. Attends, je te mettrai toutes les illustrations. Je trouve que c'est la moins intéressante. Ce qui va pêcher, c'est surtout peut-être la quantité. On aurait aimé plus que 4. Alors, est-ce qu'il y en aura plus? On verra évidemment. Et on a, alors pour le coup, la SAR dresseur est magnifique. Pania avec un Infali au fond, ça marche, hein, c'est très joli. Mais ce n'est pas les cartes qui plaisent le plus chez nous. On l'a vu avec d'ailleurs Mascarade Crépusculaire. Est-ce qu'il n'y aura que ça? On va voir. Est-ce qu'il y aura juste un complément avec les AR, comme je t'ai dit, hein, sur les AR du bloc japonais, hein, de la série précédente, avec d'ailleurs les protagonistes, avec les prodiges, hein, il me semble. À voir. À voir. Mais au final, moi, je ne suis pas spécialement déçu. En SAR, toujours un petit peu, puisque bah, c'est ce qui va un peu hein, pousser la série à des sommets. Hein. Ce sont les SAR, même si on oublie hein, vraiment que ceux qui vont ouvrir. Des boosters, il y en a peu qui vont ouvrir énormément de boosters pour mettre en lumière justement ces très jolis SR. Donc au final, pour moi, je suis satisfait évidemment de cette série. D'un point de vue scellé, on en a déjà dit, hein, c'est une incroyable série, surtout qu'il y a ce parti pris de nous sortir de la série les deux SR Pokémon qui sont pour l'instant les plus intéressantes de la série, c'est vrai. Parce qu'ils nous auraient sorti, à la limite, ils auraient pu faire trois coffrets, par exemple, non, quatre coffrets des prodiges. En sortant de la série, ça aurait peut-être été plus sympa pour ceux qui veulent faire des ouvertures en allant chercher justement Hyporoi et Amphinobi, en fait, en inversant. Ils auraient pu faire ça. Je pense que ça aurait été plus intéressant d'un point de vue des ouvertures de boosters, mais évidemment moins intéressant pour ceux qui vont collectionner les coffrets. Quoique, ça resterait quand même des cartes premium. Donc on attend la suite. Est-ce qu'il y aura une suite? Après, sinon, il y a du classique, hein, des foulards, des terrains cristallisés. Mais enfin, c'est pas ce qui plaît. Ça, c'est du classique. Malgré tout, maintenant, si on va même sur des cartes, on va dire plus communes, peu communes et rares, là aussi, ça fait le job. On a Persian, on a Evoli, on a Miaou, ce qui est vraiment incroyable. Il y a de jolies cartes, il y a de jolies illustrations, mais je sais que tout le monde se fout de ce genre de cartes communes, peu communes et je dis rares, mais en fait holographiques. Hein. C'est vrai que c'est ça qui est assez fou, c'est qu'on se concentre même pas sur les ultra rares, puisqu'on va virer les Hex, on va virer les Full Art, et on se concentre davantage sur les SAR, un petit peu sur les AR. C'est ça qui est fou, c'est que même les AR, qui sont des cartes vraiment topissimes, qui tombent régulièrement, sont quasiment mises de côté. Et ça me surprendra un petit peu toujours que les gens se concentrent principalement et uniquement sur les SAR. Donc au final, moi j'ai envie de te dire de mon côté, de mon point de vue, il faut que j'aie quelques boosters de cette série-là en scellé. Ce que j'attends avec grande impatience, évidemment la totalité des cartes, pour voir si c'était une toute petite série, un peu à la voix du maître, ou une belle et grande série. Donc ça, c'est un point que j'aimerais éclaircir. On n'est pas certain, à tous les coups, elle sera petite. Moi, je sens un petit peu la voix du maître. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens la voix du maître. Maintenant, étant donné que la voix du maître, le taux était catastrophique, rappelle-toi, mais il t'assurait une holo. Chose que maintenant, la holo est assurée. Donc, est-ce qu'ils feront un pattern un peu différent? Ils t'assurent peut-être, je ne sais pas. J'ai pas envie de te dire une connerie. Mais est-ce qu'est-ce que comment va être le taux? Voilà. Est-ce que le taux sera sympathique d'une série 0.5, délétère d'une série 0.5, La Voix du Maître, Légende Brillante ou autre? Et en même temps, ça va donner un petit peu le tempo. Mais il me faut des boosters dans la collection en scellé, donc il y aura déjà dans ma collection en scellé, puis pourquoi pas programmer des futures ouvertures dans 1 an, 2 ans, 10 ans, que sais-je. Donc moi je vais me concentrer, je te dis j'ai peu de place. Coffret Amphinobi, coffret Hyporoi, ça sera ouvert sur la chaîne. Beau spot, on va se faire plaisir. T'assures une belle carte dans la collection, c'est topissime. Franchement, je vous le conseille aussi en scellé, c'est évident. Si t'as de la place, il n'y a même pas à réfléchir, c'est un item top. Deuxièmement, bundle. Moi, c'est sur cet item que je vais me concentrer principalement donc sur mon scellé. Ça prend pas de place, c'est top. J'en ai déjà une petite quantité d'autres séries. C'est vrai que j'avais fait l'impasse parce qu'il y avait le monopole sur Amazon et c'est vrai qu'ils ont tendance à
à pas protéger les envois. Et c'est un petit peu la loterie. Moi, je veux dans ma collection scellée, j'essaye d'avoir pas un truc écrasé. Autant je suis pas trop pointilleux sur l'emballage plastique ou voire même les coins. Tu vois, tu le sais, hein, j'ai mes ETB qui sont stockés hein, comme ça. J'ai pas de crystal box ou autre. Mais j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir. Et en plus, ils ont eu d'autres problématiques. Donc, je vais pas m'étendre sur la vidéo. Hein, il suffit de voir les notes, les évaluations. Sur les bundles et autres coffrets, tu le verras tout seul. Mais donc voilà, j'aimerais ne pas avoir un truc trop écrasé. Là, ils n'ont pas le monopole sur cet item-là, donc on est plus tranquille. Et surtout que si ça veut le monopole type kidnappé et bundle, ils vont peut-être le sortir aussi dans les mois à venir, un petit peu comme les coffrets exclusifs dans les boutiques. Tu t'aperçois que les indépendants au deuxième round peuvent avoir ce genre d'item. Dis-moi un petit peu ce que tu en penses de la série. Moi, je suis plutôt convaincu. En plus, moi, je vais te dire, hein, je n'ai pas ouvrir 200 boosters. Donc, les SAR, ça ne me concerne pas. Moi, si j'arrive à me tomber les petites AR que je trouve sympathiques, comme le Persian, je serai le plus content sur cette série. Allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je t'ai dit, Internet, normalement, c'est soit fin de cette semaine, soit début de la semaine prochaine. Et là, on va remplir, on va faire on va tout updater les datas que j'avais. Principalement 151, parce que c'est une série qui semble revenir encore. On va voir encore si l'espérance est toujours aussi bonne vers les 7-8 euros, je crois. On va regarder aussi le prix du scellé. Prix du scellé, on va dire restocké, mais aussi prix du scellé non restocké, hein, typiquement l'ultra premium, le TB ou des choses comme ça. Tout ça serait updaté sur la chaîne. Et puis voilà, on reprend la routine. Hein. Ça veut dire vidéo tous les jours, actu, ça veut dire voilà, petites ouvertures, spots sympathiques. Et voilà, et puis je vous teaserai un petit peu ma collection scellée parce que j'ai envie de me diversifier un petit peu dans ma collection en scellée, quelques boosters Dragon Ball et ainsi de suite. Mais ça, j'en ferai peut-être une petite vidéo spécifique. Allez, je te dis à bientôt et encore merci de m'écouter. Ça me fait extrêmement plaisir. Votre soutien quotidien me fait plaisir, évidemment, m'aide beaucoup, beaucoup sur la progression et l'évolution de cette chaîne. Allez, je te dis à bientôt.